Les questions bonus avec Romain Philippotto et c'est Loïc Druon, très en jambes cet après-midi, qui commence. Ouais, juste savoir si tu avais beaucoup hésité entre terminer l'aventure dijonnaise avec la possibilité d'une accession, donc ce qui est toujours un parcours sympa, une aventure assez forte, et ben le projet Lorienté où là on est plus dans le maintien, même s'il y a un projet de jeu et une qualité de jeu reconnue à Lorient. Donc est-ce que tu as hésité entre aller au bout de l'aventure à Dijon ou pas ? Hésiter non, après c'est vrai qu'au départ, s'il y avait une offre à 1 janvier, je devais être reprêté 6 mois pour finir la saison quand même à Dijon. C'était... Les clubs s'étaient mis d'accord comme ça, même les autres clubs qui étaient intéressés par moi. C'était qui ? Il y avait Montpellier qui était très intéressé, il y avait Nice et voilà. Que avait... des clubs du Nord. Voilà, donc il y avait... Ils préfèrent la pluie d'abord. Donc voilà, donc après moi, quand Lorient m'a fait comprendre qu'il me voulait de suite et tout, moi le challenge, déjà la Ligue 1, je pense pas que ça se refuse. Non, c'est vrai. Même si c'est vrai, voilà, quitter les copains, puisqu'on avait vraiment un bon groupe à Dijon et aussi le projet, quand c'était investi pendant 6 mois, on a envie de finir, surtout qu'il y avait quand même une possibilité de monter. Mais bon, après, voilà, Lorient, ça arrivait à un bon moment. Voilà, j'étais content de découvrir la Ligue 1 de suite. Et voilà, même si le club était un peu mal placé, j'avais envie de faire ces 6 mois avec eux pour essayer de maintenir Lorient en Ligue 1. La montée à Dijon, on en parle sérieusement dans le vestiaire là. Oui, oui. Ouais. Oui, oui, c'est l'objectif. Hein. On a fait 6 mois exceptionnels. On avait vraiment un beau matelas d'avance. On a fait malheureusement un mois de janvier un peu difficile. Mais voilà, ils seront dans le coup jusqu'à la fin. Il y a un bon groupe, il y a un bon staff, il y a tout pour accéder à la Ligue 1 l'année prochaine.